Eh bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Crash Bandicoot 4 sur PS4, nous allons attaquer le prochain monde en inversé, c'est le marais des moustiques. Alors là vous aurez de nouvelles contraintes et un nouveau filtre qui va être assez imposant, vous allez avoir un filtre film des années 40 et toutes vos actions seront accélérées, y compris les caisses et les ennemis, ça va être assez compliqué et nous allons chercher toutes les 6 gemmes en inversé dans chaque niveau, avec les gemmes cachées qui sont bien cachées également. Bonne chance et bonne vidéo les amis. Eh bien on va commencer le premier niveau en inversé, c'est décalé. Alors le nouveau filtre qu'on vous impose, c'est cinéma des années 40 en noir et blanc et toutes vos actions seront accélérées, y compris les ennemis et les caisses. D'accord? Voyez? Alors attention. Alors, la gemme cachée se situe au bout de ce parcours, d'accord? On va pas tarder à la choper. Alors attention, vos actions sont accélérées. Tin. Attention les amis, vous allez derrière la poubelle à gauche. La gemme cachée est contre la poubelle. Alors, on va tout faire péter ici. Hop. Alors, prenez bien votre temps parce que tout est accéléré. Hein. Alors, on va monter dans le canon. Alors là, le passage rapide. Attention, sautez pas. Hein. Pouf, pouf. Deuxième canon. Alors, sautez pas tout de suite sur les pistons. Voilà. Attendez que les trompettistes tirent. Hop. Là, on fait un plat. On saute. Attention aux polichinelles. Hop. Là, on prend notre temps. Là, on passe. J'ai pas envie de me faire choper. Là, on bondit. Hop. Alors là, vous passez par-dessous. Vous pétez la caisse du centre. Et les TNT vont exploser. D'accord? Là, on va faire le bonus avec l'Aniloli. Ah ah! Un double là-bas! Alors, R2. On pète les caisses plastiques. R2. Pouf! On ne l'explose pas la caisse. Hein. Voilà. Parce qu'on va revenir chercher les caisses au point de départ. Vous allez tout au bout. Vous pétez les TNT dessous et les points d'exclamation. Ok? Hop. Là, on saute sur les caisses. Boum. On revient. Pouf. Et là, on va chercher les caisses au point de départ. R2. On va péter les dernières caisses. Hop. Et voilà, là on peut quitter le bonus. Il n'était pas très compliqué. Phase l'Aniloli. À double là-bas. Alors là, attention. Voilà, vous faites R2. On saute à gauche. R2. Alors, il n'y a plus la gemme cachée à droite, hein. On l'a récupérée. On va monter dans le canon après avoir explosé ses caisses. Boum. Deux gemmes inversées. Boum. Alors, on va péter les caisses ici. Attention à la caisse enflammée. Je vais vérifier s'il n'y a pas une caisse derrière. Boum. On va faire une phase l'Aniloli. R2. Voilà, on passe les ennemis invisibles. On pète les caisses de soie en phasant déphasant. R2. On saute R2. On pète la caisse du dessus.
Les caisses au-dessus, on va les péter. On pète les caisses dessous en faisant des phasans. Oula, attention. On attend. On met en phasé. Hop. On passe de côté, on pète la caisse. On passe dessous. On saute. R2. On va monter tout en haut. Checkpoint. Et là, on va glisser sur une partition avec l'Annie Loli. Attention. Ça se complique un petit peu. On saute. On saute. On se baisse. On se lève. On saute. Deux fois. On se baisse. On se lève. On saute. On saute trois fois de suite. Un double là-bas. On se baisse. R2. R2 en passant les ennemis. Hop. Alors là, j'ai eu un fail. Ici. C'est très compliqué. Surtout que c'est en accéléré. Donc je vous dis pas les touches qui vont être martelées. Parce que j'ai raté une caisse au passage. Tellement ça va vite. Là, je l'ai raté. Donc là, je me laisse mourir. Et je recommence. Hop. Alors là, on saute. On se baisse. On se lève, on saute. On se baisse. On se lève, on saute. On saute. On se baisse. On se lève tout de suite, on saute. On se baisse. On se lève, on saute. On se baisse. On se lève, on saute. On se baisse. On se lève, on saute. On se baisse. On se lève. Et voilà. Nous avons les 6 gemmes en N versé. Dans le niveau décalé. Nous allons faire le prochain niveau. Le niveau de Dingo Deal, Cuisto Maison. En N versé. Donc on va péter toutes les caisses. Hop. On pète le portail. On prend l'ascenseur. Sauter sur une caisse explosive. Alors, la gemme cachée est très très bien cachée, celle-là. Elle est pas facile à trouver. Alors, là, on aspire toutes les caisses. Hop. On pète les nitros à la TNT. Hop. On s'abrite à l'ennemi. On le tue. On brise les caisses en face. Voilà, il admire son restaurant qui explose. On saute. On pète la cible en premier plan. On pète le mixeur. À l'arrière-plan, je veux dire. Hop. Il y a une cible à péter là-bas. Donc, hop, on pète la cible. On fait tomber la TNT du type. Hop. On vole. On va péter les TNT des créatures. Boum. On pète les trucs là-bas. On va à l'arrière-plan à gauche. Et on pète les caisses ici. Mais n'allez pas sur la plateforme de l'autre côté. Il n'y a pas la gemme cachée. Hein. Non, elle est ailleurs. Et en plus, il n'y a pas de caisse. Mais attention. On tue la créature. On pète les caisses. On saute là. On vole par là-bas. Alors, il tire assez vite. Attention. Boum. On l'a tout fait péter. Hop. Alors on pète la cible sur la gauche. Voilà, parce qu'il y a une caisse au sommet. N'oubliez pas, on est en miroir. Voilà. On va atteindre le prochain checkpoint. On passe les nitros. Hop. On va à l'arrière-plan. On pète le portail à gauche. Il y a des caisses facilement manquables à détruire. Voilà, j'y aspire comme ça. On aspire en face. On prend la TNT à gauche, on l'explose. Et on pète toutes les caisses. Voilà. On revient. Oula, attention. Hop. On pète la cible là-bas parce qu'il y a une caisse. On fait tomber la TNT. Pouf.
Alors on pète toutes les caisses dans la zone. Checkpoint. On passe le champ de nitro. Hop. On pète la roue à la dynamite. On vise le point d'exclamation pour détruire les caisses à droite. Je pète les nitros à gauche. Là. On pète les nitros là. On passe. Ah, je fais tomber la TNT. Boum. On détruit les caisses. Checkpoint. Attention les amis, il y a la gemme cachée qui n'est pas loin. Alors, on va à gauche. Non, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. C'est après le mixeur. Alors, on va péter le mixeur au bout. Oula. On pète les caisses à l'arrière. Ah, il veut pas se faire exploser. Shot. Voilà, hop. D'aller sur le petit poteau comme ça. On va à gauche. On pète la cible là-bas. Il y a une caisse dessus. On pète les caisses à gauche. On détruit le mixeur. Et attention, il y a la gemme cachée. Après avoir passé le coin, vous allez à l'arrière-plan sur le pont là-bas. Et vous partez sur la gauche. Il y a la gemme cachée au pied d'une petite cabane. Pas facile celle-là. On va péter le prochain mixeur. Hop. Alors on va avancer. On va tuer les créatures en l'air. Ah bah je l'ai tué. Nickel. On va avancer. Checkpoint. On atteint la fin du niveau. On tue tout le monde. On détruit tout. Et le portail au fond. Bam. Oups. Je pète les nitros. On pète toutes les caisses autour. Oups. Voilà, nickel. Et voilà les amis, nous avons les 6 gemmes en inversé avec Dingodil dans le niveau Cuisto Maison. Nous allons passer au prochain niveau, au cœur du bayou en inversé. Alors, c'est parti. La gemme cachée se situe dès le départ. Dès le départ du niveau. Attention. Alors, il y a des caisses cachées derrière. Hein. Les marches dans chaque coin. Il y en a 6 au total. Voilà, ici. Caisse chrono. Gemme cachée. Vous allez de l'autre côté. Vous sautez sur ce store. Et vous sautez en arrière sur un balcon. C'est là que se trouve la gemme cachée. Alors, on va de l'autre côté de ces caisses. On va en détruire 4 de l'autre côté. Il n'y a pas la gemme jaune. D'accord? Je vous montre ici. Hop. On revient en pétant toutes les caisses. Hop. Et on va prendre le jetboard. Alors, on vole. Je prends les fruits. Parce qu'il faut 80% des fruits Boompa. Alors, on va à droite. Caisse chrono ici. Là, on accélère. Ah là 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 là. Je sais pas si je vais arriver à temps. Si, c'est bon. On ne pète pas les caisses à gauche, surtout pas. Checkpoint. Alors, on va à l'arrière pour sauter sur ces caisses. On va chercher une caisse facilement manquable en arrière, hein, sur un muret. Hop, à droite. Et la caisse est à gauche. C'est une caisse méga fruit. Alors, on va péter toutes les caisses en arrière. En revenant. Faut tous les faire. Hop. Boum. Checkpoint. Me voilà tranquille. Alors, attention, nitro. Là, on va choper la corde. Oups, là, là. On prend notre temps.
En étant inversé, on n'est pas en contre-la-montre, ok? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, les enfants. J'ai réussi à enregistrer tous les niveaux avec la relique Toys for Bob. Là, c'est la pire relique à obtenir. Alors, on va faire le bonus. On saute sur la flèche. On saute sur le méga fruit en bas. Point d'exclamation. On pète les TNT. On va tout de suite à droite. Et au moment où elles explosent, vous pétez les caisses chrono. Hop, on pète les TNT ici. On saute sur la caisse plastique. Double saut. Alors, on revient à droite et on fait double saut. Hop. On pète les caisses en hauteur. On pète les nitros. Et fin du bonus. Alors, sachez que j'ai fait une prestation exceptionnelle sur les Toys for Bob. Hein. Les reliques violettes. Hein. C'est au-delà du platine. J'ai speedrunné. Hein. Alors, attention là. Boum. On saute. Attention, ça va vite. Hein. Alors, j'adore la musique. Alors, c'est pas la peine de toucher pour l'exclamation derrière le baril. On a déjà récupéré la gêne. Phase en jailboard. Hop, on récupère tout. On bondit. On va tout au bout. Pour choper la caisse méga fruit. En arrière pour péter la caisse. Voilà, faut pas rater la caisse du haut. En bas à gauche. On n'oublie pas la caisse en coin. Hop. Allons-y. Il y a un fort courant, faut maintenir la touche carrée. Alors là, attention, il y a des caisses chrono. Je me suis un petit peu viandée ici. Parce que j'ai raté la caisse du haut. Vous pouvez recommencer, hein. Il n'y a pas de problème. Alors attention de ne pas prendre les tourbillons. Voilà, nickel. On passe sur le côté. On détruit toutes les caisses en des tremplins. Hop. Hop. Donc. Hop là. On va arriver au bout. On va arriver vers la face du boat truck. Ça va être une phase très délicate qui va nous attendre ici. On va péter les caisses en chemin. Hop. On détruit le barrage. Alors, je crois que je me suis viandée ici. Ouais, je me suis viandée. Ouais. J'ai eu un fail. Et après, j'en ai plus fait d'autres. Allez, c'est parti. On pète le barrage. On détruit les caisses en route. Là, on saute par-dessus. On pète les caisses après. On saute sur la flèche pour chercher le masque. On pète les TNT. On revient. On va péter le barrage. Et lorsque le food truck va passer, on va faire un plat quand il passe au-dessus. Hop. Voilà. On double saut. On saute. On fait spin. On se baisse. On saute dessus, double saut. On se baisse. On saute, double saut, spin, on se baisse. Double saut, spin. Un saut simple. On se baisse. On pète les TNT. Tac les TNT. Et spin. Et voilà. Alors attention, double saut. On va faire une phase en jetboard. On va employer l'astuce qu'on connaît. Vous vous mettez en arrière comme ça quand on va tomber de la cascade. Voilà, en arrière et vous maintenez la touche carrée. Voilà, pour éviter d'oublier les caisses. Voilà, attention. Il y a une caisse après. La droite. Voilà. On saute sur chaque tremplin. On accélère.
On va cesser de glisser. On pète toutes les caisses. Et voilà les amis, nous avons obtenu les 6 gemmes en N versé dans Au cœur du bayou. Nous allons passer au dernier niveau de ce monde, le deuxième niveau d'Ingodil, on ne lambine pas. En N versé. On pète les caisses à l'arrière en les aspirant. On pète les TNT. On aspire les caisses derrière la grille à droite. Hop. On aspire les caisses juste en face à ses pieds. On prend le food truck. Oups. Voilà. On va péter toutes les caisses en route. On aspire à gauche. Ces créatures, vous pouvez les toucher sans les speeder. Hop. On pète les caisses en face. Nickel. Ensuite, on aspire les caisses à droite. On pète le barrage. Voilà, je pète les nitros au passage. On prend le baril. On détruit les caisses de gauche. Mais... voilà. On pète le barrage nitro là-bas. Et on attend. Checkpoint. Là, attention. Je viens de tuer une créature nitro là-dessus, là-haut. Alors, je pique une TNT. Je détruis les caisses là-bas. Ensuite, je pète les nitros sur la gauche. Je pète les caisses là. Je pète les nitros de l'autre côté. Caisse à droite. On va faire pareil pour le troisième. Déjà, on va voler vers le food truck. On aspire les caisses. On revient. On prend la TNT, on pète les nitros là-bas en volant. Attention! Alors, on tue la créature. Checkpoint. On tue toutes les créatures. On prend le TNT. On détruit un barrage nitro. On s'avance. On aspire la TNT. On traverse les tapis. On lâche. On prend le TNT, on pète les nitros, on reprend, on pète les nitros après, l'autre côté, on reprend, on pète d'autres nitros, et on atteint la fin de partie d'Ingodil. On va diriger Coco. Attention les amis, il y a la gemme cachée avec Coco. On pète les caisses ici. Ensuite, vous allez faire un taclet sauté long. Pour atteindre la plateforme au milieu de l'eau avec les bombes, c'est là que se trouve la gemme cachée, les amis. On va faire le food truck. Ça va être très compliqué. Alors, chaude sur les TNT pour péter la caisse du dessus. Attention, ça se complique. Pimpin, 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 pimpin. Ensuite, on saute de l'autre côté. On pète les caisses au-dessus. On va faire pareil que pour le niveau précédent. On pète les caisses après. On saute sur la flèche. On pète le barrage. Et dès que le food truck passe dessous, on fait un plat. Le boat truck. Boum. On saute par-dessus. On saute dessus. On va bondir sur la caisse du dessus pour spinner la caisse du haut. On saute. Stock. Attention, c'est compliqué, là. On spin, on se baisse. On saute sur la caisse. On bondit, spin. Double saut. On se baisse. Hop, on fait un tacle. Ouh là là. Ouh la vache. Compliqué quand c'est en accéléré, hein. On pète toutes les caisses dans le coin. On attend. Et là, phase en jet de bord. On va faire pareil que pour le niveau précédent. En arrière toutes. Et on pète les caisses en chemin. En maintenant la touche carrée quand on descend. Hop. Allez, allez.
Alors, ne retournez pas tout de suite, ok? Là, on pète la caisse ici et on peut se retourner. Alors, y a, toutes les caisses sont en chemin, dans chaque angle. On bondit. Deux fois. On ne saute pas. Sur les deux prochains, on saute sur celui-là. On bondit. Et attention, ne rate pas la caisse prochaine. Ici. Voilà, si j'ai chopé, c'est bon. On pète les dernières caisses. Et voilà, les amis. Nous avons obtenu les 6 gemmes en LRC dans le niveau On ne lambine pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même dans les précédentes vidéos, ça fait toujours plaisir. Larguez un pouce bleu. Si vous larguez un pouce rouge, justifiez votre réponse. Et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain monde avec de nouvelles contraintes en NVRC. À bientôt les amis!